زمن كورونا اتخذت منارقة بيضاء مجموعة من تدابير حماية متعاونيها من هذا الوباء، وكذا ساهمت بشكل فعال بجهود المملكة الرامية لتخفيف من التأثير السلبي لهذا الوباء على الاقتصاد الوطني. في هذه المناسبة قمنا باستطلاع الرأي بعض الأطر المتعاونين المجموعة حول هذه التدابير. Je salue d'abord l'engagement de toutes les équipes de Ménara Rodi, sans exception, je dirais pour toute la région. On fait un très bon travail. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication et beaucoup de solidarité. Et je trouve que c'est des valeurs mais pas trouvées ailleurs. Alhamdulillah, on passe par une guerre, c'est une guerre mondiale, sanitaire, et je trouve que Alhamdulillah, notre groupe a bien su anticiper la gestion de cette crise. Et le Maroc d'ailleurs, il a été distingué par à travers le monde par ses actions. Ce qu'il a fait comme anticipation. Donc le groupe DNA, je crois qu'il a anticipé cette crise à travers la création d'une cellule, DNA Arcana, et je tiens à remercier à travers cette vidéo, cette capsule, donc un grand remerciement à tous les membres de Arcana. J'ai senti là que tout le monde a pris cette crise comme une opportunité, pas comme une menace. Donc c'est une opportunité pour nous de revoir tout le système industriel, tout le système managérial. Et là, je remercie aussi toutes les équipes des filiales du groupe par ce degré de maturité dont ils disposent, dont ils ont fait preuve durant cette période de confinement, à travers leur engagement sur le télétravail, sur une présence au niveau des sites pour le suivi. Je remercie aussi le groupe pour l'initiative via le fonds de soutien de COVID-19, pour le soutien des dates. Ça se prouve une solidarité du groupe et de l'esprit de la redine. Un grand remerciement aussi à Junot Bidjigou de première ligne, à savoir les médecins, à savoir le Pouat Moussoulaha, l'Amen Ouattani, et sans oublier aussi Junot Diaw Nahnef, le groupe de Kinin Dabar Hadri, qui sont présents, qui risquent aussi, et c'est des gens que je salue de ma part. Et à qui je dis merci. Et espérons, inch'Allah, que j'ai hâte à la paix. Inch'Allah, on est très optimistes par rapport à l'après-crise, inch'Allah. Il y aura de l'économie, inch'Allah, inch'Allah.